Allez, 4827, 542e. Let's go. On va essayer de faire au moins 5-5. Donc Mad ne finit jamais premier en clash. Si, une fois sur deux. Un truc comme ça. Petite question, avant que tu commences, tu vas refaire des coachings. Pour l'instant, c'est pas prévu. Un jour, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Je tiendrai au courant, de toute façon. Allez, sors-nous le Magnar plus 4. Ah, faut que je les chope, hein. Faut que je les chope, les Magnars. Et est-ce que je vais le jouer? En vrai, je pense pas qu'il soit jouable, hein. La bêta actuelle... fait que même en plus 4, il serait pas jouable. Je pense. Faut voir. Ok. Tombé sur un qui m'a deux shot ma Arima, ça m'a bien surpris. T'as Arima? Alors ta Arima, elle doit être en mousse. Ou alors il t'a lock les compétences. Les compétences passives. Sinon elle est vraiment en mousse parce qu'il peut pas. Il peut pas crit sur Arima. Il est comme ça. Parce que c'est un rejeton Magnar. Donc soit il t'a lock avec enfin il t'a retiré les compétences comment? Passives. Oui, j'ai pris 29K et 27K en coup normal, ça suffit. Mais comment c'est possible qu'il t'ait fait autant de dégâts? T'as combien de def sur ta Arima? Pour que tu prennes des coups normaux, c'est 4-3. Ouais, c'est abusé. Qu'est-ce que je fais? Aïe 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 aïe. Obligé d'A3. Il n'y a plus de Yumeko. Irez, on a deux, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, merde. Est-ce que je fais quand même à deux? Ouais. Hein. Allez, c'est la merde là. Là, c'est la merde. C'est le Kandra, il tape. Aïe 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 aïe. Elle fait des putains de coups faibles. Ah, il s'est boosté. Qu'est-ce qu'il a foutu? Oui, il s'est boosté. Ah putain, je pensais qu'il allait jouer. Aïe 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 aïe. Il a peut-être fait une erreur. Après, j'avais pas la 3. Putain, comment... Comment j'ai fait pour la perdre celle-là? Incroyable. Erreur, rage.
Tac, tac. Ah, t'es imperdable. Après, ça Lily tue slow, elle a cassé les couilles un peu. Qu'est-ce que je lui sors à lui? Ah, Xena, ça casse les couilles. Et Wukong. Armand, c'est tellement de la vérole. C'est tellement de la vérole que je préfère le tuer lui, le bloquer Serra plutôt que le faire sur Quintus. Bon. Et c'est vraiment plus simple le soir, hein, j'ai l'impression. Déjà, le fight d'avant, en vrai, il était pas ouf. Hein, c'est moi qui ai un peu mal joué. J'ai eu trop confiance en ma speed et j'ai pas boosté mon nuker direct à un moment, mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression que les fights sont un peu plus simples. Hein. Ou peut-être qu'on a chopé du skills, je sais pas. Mais j'ai rien changé depuis un moment donc. Mais ouais, ça devait être un sacré Magnar. Ou alors t'es sûr qu'il t'a pas posé un debuff qui fait que t'as pris aussi cher ou je sais pas. C'est ouf qu'il ait tapé aussi fort. Surtout que c'est même pas coup normal, c'est carrément coup faible les rejetons qu'ils mettent sur Arima, non? Je sais même plus. Non, ça doit être coup normal. Mais s'il envoie des... Des 29 et 27K sur Arima et qu'il n'y a pas de debuff particulier. C'est-à-dire le machin il a 200 000 HP quoi, genre Après si c'est un Magnar à 200 000 HP, ok tu vois. Déjà moi à 100K j'en voyais pas ça, à plus de 100K. Non, coup normal, bah j'ai ban le Siegfried en pensant comme toi, en disant là c'est un rejeton, je crains rien à Karima. Ça existe 200... Oui. Je pense qu'à l'heure actuelle on peut mettre du 200K HP sur des mobs. Hein. Je suis sûr que je vise uniquement HP. Je peux monter, moi avec mon compte, je peux monter à plus de 150, je pense. J'en ai plein qui sont à 120, 130, donc même si je les joue plus trop. Des fois tu tombes des fois contre des top 100. Bah l'après-midi oui. J'ai l'impression que la nuit non. Enfin, la nuit là, à 22 h quoi. À 22 h, je sais pas, j'ai l'impression que la session est quand même un peu plus simple.
Il fait chier. Je vais mettre arbitre encore. J'espère qu'il met pas de 8 dk. I'm watching you. Notre stream hack, hein. Attention, hein. Ah. Comme il est Wukong, lui. Il va se gêner, tiens. Hey, il est vraiment en train de stream hack en plus, hein. Garde-moi-le. Garde-moi-le, il a retiré Sifu, il a vu que j'ai pas retiré Tormin, tiens. Garde-moi-le. Rien à foutre, je suis en pot de pierre. Après, je sais pas si je vais la outspeed. Ça c'est autre chose. Et hop! Allez, suivant! GG, Nécro! Splam! Bloom! Wukong encore. J'ai chopé la troisième étoile récemment sur mon folie. Et c'était pas une team solide aussi. C'est pour ça que je l'ai boosté lui, hein. J'ai pas pris le risque de boost Reneva. Après, je suis pas à l'abri de bijou réac, hein, comme d'hab. Mais une team comme ça, ça fait le taf, hein. Folie. Il va comme ça déjà. Reneva part. Je mets quand même folie à côté. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, je pense que je suis quand même obligé. C'est le dernier mob qui va devoir être ban, je pense. Eh ouais. Fait chier. Fait chier, fait chier. Mais ça peut passer. Ça peut clairement passer. Pas ton Sanson. Non, je l'ai testé, même 6 étoiles, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Bon, bah, pour l'instant, ça commence bien. Pour l'instant, ça commence bien. Il est un peu au-dessus, lui, quand même. De ceux qu'on a rencontrés pour l'instant. Et en plus, on n'a pas le first pick.
En PV, à part Taras et Nars, y'a rien qui marche. Bah ouais. Enfin, c'est ce qui marche le mieux. Ça c'est sûr. Ça c'est relou. Ça j'aime pas. Ça j'aime vraiment pas. Du coup j'ai aucune visibilité sur ce qui va me jouer. Et ça a tendance à m'énerver. Si, comment c'est déjà Arix Ah oui, ouais, Arix, ouais. Ouais, Arix c'est jouable, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un perso PV. Arix c'est jouable. En dessous de Nars et Taras, mais c'est jouable. Qu'est-ce que tu mets, Coco, là? Relou sa team, hein. Relou. J'aime pas ça, hein. Ah, j'aime vraiment pas ça, hein, cette team. Putain. Sur ta Yumeko, oui. C'est un peu du 50-50 hein, cette histoire-là. J'arrive à strip, c'est bon. J'arrive pas à strip, c'est mort, quoi. On va se prendre une contre-attaque. Ça va faire. Et en plus, faut le tuer deux fois. J'ai pas mis le bloc. C'est pas un blocage de réa, ça. Et là, va y avoir du pot de pierre deux tours. On l'a pas strip. Et on l'a pas strip. Et voilà, c'est perdu. Casse-pouille, hein. Tenter un truc. Je me dis peut-être que Suzanne va jouer avant. Avant Léo, non? Je sais pas. Ouais. Donc on peut faire ça. Faut pas que tu fasses deux coups faibles. Et là, on peut étourdir. Putain, c'est technique, hein! J'aurais dû banner frac. Non, non. Non, non. On va déjà le tuer une fois. Putain, t'as bien joué. Ouais, j'avoue, je suis content de moi aussi, là. J'avoue, je suis content de moi. J'ai fait vraiment ce qu'il fallait, quoi. Par contre, faut que ça continue. Badaboum! Badaboum! Voilà! Pourtant, j'ai déchaté, hein. J'ai déchaté, mais je. J'ai fait les moves qu'il fallait. On est sur un 4-1, là. Hein. On est sur un 4-1. Enfin, j'ai déchaté, j'ai juste pas eu de chance, quoi. J'ai pas réussi à le strip. Et ça va, j'ai pas fait coup faible au moins sur la. Deux fois j'ai eu 50% de le strip, ça a pas marché. La troisième, on avait 70% de chance de pas faire de coup faible, on n'a pas fait de coup faible. Donc pour l'instant, on est bien.
Mais il y a moins de monde à cette heure-là. Il y a moins de monde et il y a moins de gros joueurs, j'ai l'impression. Déjà, c'est souvent que le soir, tu passes une minute comme ça, tu trouves personne. La journée, ça me le fait pas, à part si je perds 3 fois de suite. Que je pense qu'il y a plus d'Européens qui jouent, ou je sais pas. Matin et soir, c'est mieux. Ouais, c'est. Le matin, j'ai pas trop fait, j'ai dû en faire une fois ou deux. Mais l'après-midi, c'est une horreur, hein, j'ai l'impression. L'après-midi, je rencontre des top 100 et tout ça, donc. Hey, mets-toi Armando. Mets-toi Armando. Moi, je te mets chou zen et c'est fi. Franchement, je suis zen. Gros up aussi hein, sur le compte. Hein. Putain de gros up. Hein. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Ouais, ça on s'en fout. S'en fout. Du coup, je sors quoi? Ça pour l'instant. Donc un bon gros nuker méta du moment pour casser la baraque, ouais. Un bon mythique. Sur jamais Cupi. Non, c'est mauvais Cupi. C'est fort en classique en Cupi Vénus, mais sinon c'est mauvais en RTA. Très très mauvais. Pas enfin, très très mauvais. Ouf. C'est que si t'as pas le choix quoi. Ouais, un Georgide, ça me ferait un bon up, ouais. Un Georgide pour le pot de pierre, ça me ferait quand même un bon up. Je m'en doutais du Rotos. Je m'en doutais complètement. On va mettre plutôt Gorgé. On va ban Rotos. N'a pas le choix. J'espère juste qu'on l'a outspeed. Sans l'outspeed, sans le cut avec casse les couilles lui hein. Pot de pierre là. Ah merde, j'ai dans ma tête elle était en pot de pierre ma Mikage. Elle l'est pas du tout. Ah j'ai mal joué là. Je suis obligé de tenter la frappe là. Hein. Bah lui hein. Voilà. Oh, c'est fini. C'est fini. Oh, casse-toi. Tu vas pas me tuer avec ta Arbès et ta Lilithu là. Oh là là. En vrai, j'ai pas de raise, hein. En vrai, ouais, attention quand même, j'ai pas de raise. Hein. J'ai rien dit. Hein. Il pourrait nous la mettre quand même. Je vais quand même faire ça. Tu vas changer de forme. Essaye de strip, s'il te plaît. Bien! Ouais, attention, hein, j'ai pas de raise. Hein. Attention, attention. Hein.
Ah, c'est chaud! Mine de rien, c'est chaud. Bon, la prédie est déjà bonne, hein. Ouais, on vient de faire 5 wins de suite. Bon, ça serait con de finir sur un 5-5. Ça serait bien de les gagner, les 4 dernières. Faire un petit 9-1, là. Petit 9-1 en G4, c'est beau. Ça serait pas mal. Bon, je peux toujours rêver, hein, mais... Allez, vas-y, 5005. Ah, ça y est, ça se complique là. Ça y est, ça se complique. Là, pour l'instant, je gagne 5-1 pour l'instant. Donc, tu vas gagner toutes tes binous. Ah là, c'est pas... Là, il est pas gentil, là. Hein. Il est pas très très gentil, là. Il me sort des trucs assez chiants. Putain des gémons. Putain des gémons. Il banne Eva? Non, il banne Ronda. Il banne Ronda. Oh. Ah, fait chier de devoir ban ça. Ouais, même pas Ronda. Ma brain un peu là. C'est en peau de pierre. C'est en peau de pierre, les nukers. S'il me retire du strip, c'est qu'il est en peau de pierre, je pense. Ah, je sais pas. De toute façon, le Taras va nous enculer. Hein. Ah! Putain! Et merde! Ah, vas-y, je peux rien faire, hein. Lui va jouer 8 fois. Il joue 8 fois. Allez, t'as pas de buff là, tu tapes pas. Eh oui, pourquoi t'as pas tapé là? Pourquoi il a pas fait sa mono-cible? J'avais plus de raise. Par contre, c'est pas gagné, hein. Ah, c'est clairement, clairement pas gagné, hein. Ronda, hein. Attends, elle a été rechargée, elle. Ouais, mais Ronda, je pense que ça tape plus fort quand même, hein. Ah, putain, t'es enculé, hein.
pas possible ça. C'est pas possible. Ah, on y était, hein. Putain. T'enculé, hein. Eh ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vois pas... Ouais, j'ai rien qui va se réanimer, hein. J'ai pas Wukong, hein. Putain. Ah, c'était close, hein. C'était close. En tout cas, c'était le fight le plus dur. Même sur la première défaite là que j'ai fait, je l'ai fait pour de la merde, la défaite. Bon, le jeu, là. D'ailleurs, on est presque top 500. Mais, ouais, le jeu est tout cassé. On a cassé le jeu. Ah. Allez, toi tu trépasses. Alors, on n'a pas le first pick, hein. On n'a pas le first pick. Quoi mettre. Ah, j'aurais dû mettre Honda. J'aurais dû mettre Honda. Bon, son Gnisha qui... Faut que ça tienne, quoi, ça. Ouais, ça va être compliqué le Rotos, hein. Limite, j'ai envie de me faire à outspeed pour le geler, quoi. Mais le truc, c'est que le Armanz, il va être en pot de pierre. Il est pas en pot de pierre. Ok. Il s'est fait geler. Il faut que je booste... Wukong, hein. Putain, coup faible là, et on n'a pas strip ça et ça. Ouh, il tape rien. Ah merde, oh, ça a suffi. De Rotos, hein. Casse-couille, hein. Il a pas fait le bon move. Il aurait dû tuer le... Il aurait dû tuer Tormin pour éviter de... Ah, vous m'avez compris. On va le moutonner avec un peu de chance. Ou lui faire un...
Ah! On m'en menait aussi celle-là. Attends, je vais regarder mon classement. On est bien là, top 500 là, non? 505. Petit 8-2 là. On gagne les deux dernières, on aura fait 8-2, ce serait bien. Un Gallifrey. On n'a pas le first pick encore, hein? Allez, Armand. Et pas joueur. Yo Soso, ça va et toi la forme? Compliqué ça comme fight, hein. Putain. Ça c'est clairement, clairement compliqué ça. Peux aussi tomber sur des balourds comme moi qui n'ont pas fait la fusion. Ouais, mais ceux en G4 ils l'ont fait. Ou au pire ils l'ont rechopé dans des éclats. Nickel, je viens de finir de bosser. Ça va, ça a été la journée. Me fait un V4 par Armand. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Bon, à peine je joue pas, j'attends les 15 secondes à chaque fois. Boost. Boost. Culé! C'est pas possible ça! Pas possible ça! Sérieux! Oh, allez! La bringue! On aime ça! On aime ça se faire enculer tout le temps! Eh vas-y! La proc maîtrise qui lui a retiré son étourdissement! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y! Putain. Il a fait coup faible là. Ouais mais... Oh. Ouais mais j'ai plus d'attaque. J'ai chier. Le mouton qui nous sauve. Ouais mais... C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Oh!
On est sur un 6-3 hein, pour l'instant. Allez, un petit 7-3 pour terminer. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça compte finir sur un 6-4, sur une si belle lancée. On a toujours pas le first pick, hein. Toujours pas, toujours pas. Au moins, je peux mettre 6 fichus zen. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui réfléchissent à leur first pick. Ou si... il y a un temps de latence... avec le réseau, je sais pas, tu vois, mais... Je trouve qu'il y en a certains, ils sont longs quand même à choisir leur first pick. Ça faisait longtemps encore à Nars. Ça faisait longtemps. Oh putain. Peut-être arbitre. Ah, je sais pas. Ouais, arbitre. Plutôt arbitre là. Histoire de booster l'attaque. Et après, j'ai peur qu'ils soient en pot de pierre quand même. S'il est en pot de pierre, c'est mort, on a perdu. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû mettre Mikage, ouais, je sais pas, je sais pas. Mais je me dis, j'ai besoin de boost d'attaque, il sera peut-être pas en pot de pierre, le Nars. Par contre, ça c'est... Ouais, bon, c'est perdu, hein. C'est juste perdu. Trop lent. On a perdu. On constate dans le plus grand calme. Ah, faut qu'il fasse un mauvais ban. Il faut qu'on la outspeed. Faut qu'on se fasse pas cut par sa chaîne temporelle 6 étoiles. J'ai perdu quoi. On va peut-être à outspeed. Il faut pas qu'il ait de pot de pierre. Il faut pas qu'on se fasse cut. Ah. Putain. Il se fait cut. Je savais pas c'était lequel le plus rapide des deux. Je me suis dit, quitte à sleep, pas sûr que ce soit une bonne idée. Et là, ça va faire boom. Il faut que ma Sifi joue au... Ah, mais non, je peux même pas le sleep. Non, là, honnêtement, je pouvais pas... Je pouvais pas faire grand-chose. C'était pas forcément vraiment le plus rapide, non. Et peut-être que c'était pas suffisant de slip. Imaginons que je slip Armand en se disant c'est le plus rapide. Oh, par contre là, on a tout attaqué. Ah bah on a... Putain, t'as rien fait là. T'as rien fait. Imaginons que je slip Armance, peut-être que le Warlord aurait joué avant mon arbitre ou en tout cas aurait cut quand même quoi. Peut-être que l'arbitre aurait joué, j'aurais boosté et je me serais fait cut à cause de la chaîne temporelle. Dans tous les cas j'étais obligé de tenter un boost ou le slip était trop risqué. Et les compteurs ils étaient pleins donc Ouais bah 6-4.
Ah, ça s'est mal fini. Ça va. Honnêtement, ça va. Hein. 6-4 en G4. On avance bien au classement quand même. Du coup, la prédit, c'est good. Prédiction, chose de réponse, oui. Tac.